Bonjour. Donc, ça fait environ 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Mais attention, j'ai une très très bonne excuse pour n'avoir rien posté. C'est simple, c'est juste que ces 6 derniers mois, Mais ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, une nouvelle vidéo sort et... En plus, c'est une vidéo où on peut y voir mon faciès disgracieux. Donc, avant de la commencer, il faut que je vous explique en quoi la vidéo d'aujourd'hui va consister. Il y a donc 6 mois, on avait fait une vidéo avec mon pote ACK où on s'affrontait sur le jeu Worms. Putain... Est-ce que je vais faire le double kill ? Yare yare dosen. Sans The World. Je me suis suicidé. Et en gros, à chaque fois que l'un d'entre nous perdait un Worms, l'autre avait le droit de lui faire acheter un article sur le site Wish, qui comme tout le monde le sait, est le site le plus fiable de la planète, des articles de très bonne qualité, etc. On a appelé cette idée « tu perds, tu payes ». C'est un concept totalement original qui a germé dans notre esprit à nous, jamais vu sur YouTube. Mais c'est exactement la même chose que Mario Kart Bleu. Certes, sauf que c'est pas sur Mario Kart qu'on n'a pas de carte bleue et que vous avez pas à supporter les rires forcés de McFly et Carlito. Donc avant que vous commenciez cette vidéo, allez voir celle d'ACK. Genre, là maintenant, vous quittez ma vidéo, vous allez voir la sienne qui est dans la description ou dans les annotations juste au-dessus, puis vous aurez le droit de voir celle-ci. En plus, ACK fait des vidéos aussi bonnes et aussi régulières que les miennes, vous ratez réellement quelque chose si vous n'allez pas la voir. C'est bon? Donc cette vidéo sera moi en train d'ouvrir les articles que ACK m'a fait acheter et c'était vraiment une partie de plaisir. C'est pas dit qu'on refasse ce genre de vidéo dans le futur parce qu'on a plus de thunes, mais si vous voulez vraiment qu'on en refasse, dites-le nous et on essaiera de s'arranger. Ah oui, au fait, mon ancien compte Twitter a été suspendu, donc si vous voulez aller me refollow sur @colmanmiskin. Là au moins je passe souvent là-bas. Et à propos de mon t-shirt Ripikawi, je vous mets un lien pour avoir le même dans la description. Ils sont créés et vendus par Super Dark Hugo, qui est un youtubeur que vous connaissez peut-être. Et comme il m'en a offert un, j'ai décidé de lui faire un peu de pub. Oui, 6 mois plus tard, et alors? C'est un couteau que j'ai trouvé à l'époque où j'étais au lycée. Parce que faut savoir que j'ai grandi dans la cité, hein, c'était pas tous les jours facile. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est donc... Attendez 2 secondes, cherchez du scotch. J'espère que ça colle. Bon, premier article, on part déjà plutôt bien, hein, voilà, un magnifique drapeau, franchement, hein. On va passer au deuxième objet. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est donc lui, le fameux t-shirt. Il m'a l'air un peu petit, je trouve. Je trouve sincèrement que il me va plutôt pas mal. Hein. Franchement, c'est vraiment le genre de t-shirt avec lequel je pourrais aller en cours. Je vais au bahut avec ce t-shirt avec le logo de la NASA et mon drapeau arc-en-ciel. Il y a personne qui vient m'embêter, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah non! Ah non, ça maintenant je m'en souviens! C'est cette merde! Putain! Déjà, bah, ça va être chiant de le censurer, mais en gros, c'est l'entrejambe du David, hein, le David de Michel-Ange. Du coup, je suppose que je vais encore devoir aller me changer.
bien de mettre ce truc. Il y a une couture au mauvais endroit, ce qui fait que genre on voit mal l'appareil génital. Et aussi surtout qu'en fait, je sais pas si vous voyez ce petit lacet là. Le fil, genre il s'est rentré dedans. Du coup, je peux pas le serrer. Putain, il y a même des défauts. Genre, il y a des fils qui dépassent. C'est dommage qu'on soit en septembre. Parce que sinon, je serais sûrement allé à la plage avec. Hein. C'est dommage qu'on soit en septembre. 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 Putain, ça. Le quatrième objet, rien qu'en le tenant, je sais déjà ce que c'est. Alors on a un emballage dans un autre emballage. Il y a écrit que c'est un cadeau magique, un magic gift. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je pense que c'est peut-être le truc que vous attendiez tous. Et c'est une épée comme dans Minecraft. Ouais. Alors faites-moi confiance, hein, c'est vraiment une épée comme dans Minecraft. Ce n'est pas du tout un appareil génital masculin. Ce qui me fait rire aussi, c'est que sur le paquet, il y a écrit « Ne pas mettre à la portée des enfants ». Jure la vie de ta mère. Voilà. Celui qui vient essayer de fouiller dans mes coffres, il va avoir affaire à mes diamants. Cette vidéo devient de plus en plus homosexuelle, je dirais. En plus, à une ventouse, la ventouse, elle tient bien. Je vais finir par casser quelque chose. Bon, on en a ouvert 1, 2, 3, 4. C'est parti maintenant pour le dernier colis. Le dernier colis. Alors ça en plus, là, ça même pas, je m'en souviens en fait de ce que c'est. On a eu mon t-shirt homosexuel. On a eu l'épée Minecraft. Et maintenant... Oh putain. Du coup, je vais avoir quelque chose à enfiler, hein, encore une fois, donc je reviens. 5 minutes plus tard. Alors, j'ai eu besoin de l'aide d'une tierce personne. Mais maintenant, voilà, j'ai réussi à le mettre. Et ma foi, ça a l'air super beau. J'ai quand même un peu de mal à respirer. Je vois pas grand chose devant moi. C'est compliqué de respirer la soupe. Ben voilà. Voilà, je crois pas qu'il reste d'autres objets. Non, 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 il reste rien du tout à ouvrir. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like pour plus de vidéos, à désactiver Adblock si c'est pas déjà fait, histoire de nous donner plus de revenus. Hein, voilà, parce que faut pas croire, mais quand même, cette vidéo-là nous a coûté pas mal cher. Si jamais le concept vous plaît, dites-le moi. En attendant, n'hésitez pas à voir aussi la vidéo unboxing de ACK qui a ouvert les objets que je lui ai fait acheter. Et bon, vous pourrez même faire un débat sur qui a eu les pires trucs. Moi, je pense que cette image de moi en mec tout rose avec un t-shirt gay me poursuivra jusqu'à longtemps. Mais bon, ça reste déjà mieux que ma première vidéo FAQ. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis beaucoup de temps à la faire, mais elle est enfin là. Je sais que je dis ça assez souvent, mais j'essaierai d'être plus régulier en 2019. Ce sera pas forcément tout le temps des vidéos de ce genre, mais j'essaierai en tout cas de poster quelque chose. J'espère que ça vous fait au moins plaisir de me revoir. N'hésitez pas à poster un commentaire sur quel point je devrais aller chez le coiffeur, j'ai grossi ou j'ai une tête de chinois noir. En attendant, c'était tout, c'était Coleman Legrand et j'ai réussi à faire en sorte que cette vidéo dépasse les 10 minutes.